Un deuxième match de poule, mon cher Pierre, qu'il va falloir bien négocier. C'est un match capital, un match charnière au cœur de ce mini-championnat. Et ce match va nous permettre de voir la Norvège affronter l'Espagne. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. C'est le coup d'envoi de ce match. On tente pour la deuxième journée de ce groupe. Oui, après une première journée plutôt intéressante, ça va encore monter en puissance là au fil des matchs. Et voici la composition de l'équipe de Norvège. Alors que vous voyez les 11 filles espagnoles qui vont démarrer la rencontre. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Dans ces filmés. Avec un tir. Oh l'arrêt. Ok, plongeon superbe. Corner pour les joueuses espagnoles. Corner adresse, c'est dégagé du point. Le dégagement pour éloigner le danger. Vicky Losada. Jenny Hermoso. Oh, il ne faut pas la perdre ici. Marta Tolerón. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Marine Hilde. Il y a cette main qui va donner un coup franc. Ouais, un peu bête, hein, il y avait moyen de l'éviter. On s'approche de la zone de vérité. Corredera. Alexia Putellas. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Ouais, la frappe. Ouais, la gardienne vigilante. Les Espagnols qui obtiennent donc un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Et on a dégagé pour écarter le danger. Une gardienne qui dégage du point. Ouais, l'arbitre a sifflé hors jeu. Hors jeu. Alexia Putellas. Ouais, un bon ballon d'attaque. Elle la voilà la frappe. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. On n'en parle pas tant que ça. Ah, que c'est bien mené, ça. Il est trop fort, ce ballon. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Attention, ça peut être dangereux. Ingrid Malvold.
Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Oh là 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 là, on a failli assister au premier but dans ce match. Un peu plus de lucidité dans le dernier geste, c'était bon, tu l'avais ton 1-0, mais allez, un peu de patience. Intercepte. Et si elle lève la tête, elle verra qu'elle a du soutien. Oh, le ballon dangereux. Ouais, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. C'est un ballon très travaillé, avec une trajectoire qui ne laisse aucune chance à la gardienne. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Virginia. Vicky Losada. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. C'est sifflé, que dit l'arbitre. Vicky Losada, et la gardienne qui s'illustre. C'est finalement un ballon perdu. Les 30 derniers mètres. Dans la boîte, il y a du monde. Dans cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Ouais, faute, il y a une main. On est sans hésiter. On s'approche du but. Ah, le soutien est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, cette attaque qui avorte finalement. Lola Gallardo. Vicky Losada. Jenny Hermoso. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Au long de la ligne de touche, l'attaque est enrayée par la défense. Henry Mauvold. Marine 2. Christine 2.
Voilà peut-être une bonne occasion. Allez, il y a du monde pour reprendre. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Marine et deux. Oui, la bonne occasion. Et 4 minutes de temps additionnel à jouer en plus. Vicky Losada. Virginia. Ça part bien, action dangereuse. Marta Calderón. Calderón. Vicky Losada. Et ce ballon qui est perdu. Mi-temps de ce deuxième match. Et deuxième match pour ces deux équipes. Avec une équipe qui a quand même pris un léger ascendant. Ouais, elle mène au score. On va voir si la physionomie du match reste la même. C'est pas gagné, il y a de l'enjeu et ça peut gamberger un peu. Suite de ce deuxième match de la phase de groupe. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Attention, oh c'est à côté, oh c'est pas passé loin. Ouais, une occasion nette qui s'envole. Un bon ballon d'attaque. Et on a dégagé pour écarter le danger. Christine Mindo. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Peut-être une bonne opportunité, attention. La défense qui maîtrise la situation. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Virginia. Jenny Rousseau. Ouais, la frappe. Exactement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Elle a peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Marine Hilde. Attention à cette perte de balle au milieu. Attention, ça peut être dangereux. Jenny Rousseau. Corredera. Elle récupère le ballon sur cette intervention. Marta Calderón. Allez, on redouble les passes. Corredera. Jenny Rousseau. Oui, il y a une possibilité de combinaison pour elle. Elle la voilà la frappe. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Ah oui, excellent contrôle. Non, elle est interceptée cette passe. Un hors-jeu, elle est partie trop tôt.
On s'approche du but. Attention, ça peut faire but. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Et touche pour les Norvégiennes. Il va y avoir un remplacement. Marine Yelde. Ouais, elle sait qu'elle a du soutien, attention. Avec un tir. Ouais, le dernier mot pour la gardienne. Oh, attention, on est dans la surface. Elle tire. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Interception. Oh oui, encore une bonne passe. Marine Yelde. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, il fallait le sortir ce tacle. L'adversaire qui presse, hein, qui a raison. Ah non, le ballon est perdu. Le tir. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Ouais, bonne transmission. Ingrid Malvold. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, elle est partie trop tôt, elle est hors-jeu. Donc on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Un redoublement de passe, bien joué. Andrea Pereira. Les 30 derniers mètres. Le centre, maintenant il est contré. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Le ballon qui change de position. En profondeur, oui, bien vu. Le bon ballon. C'est dommage, hein. C'était un ballon très important. Et au final, ça ne donne rien. Ouais, c'est dans la tête, ça, Hervé. Protection du ballon là, bien campé sur ses jambes, ça part bien, action dangereuse. Ah, le tacle, superbe geste. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Marine Yelde.
Allez, cette fois, c'est la dernière, je crois. Ce ballon qui est dégagé. Marta Tolleron. La gardienne qui monte sur ce corner. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Voilà, c'est terminé, c'est fini, coup de sifflet final, tout le monde va rentrer au vestiaire. Pierre, votre analyse sur ce match? C'est un scénario un peu étrange avec des joueurs qui ont plus tenté que leur adversaire mais qui à l'arrivée n'ont pas été récompensés. Le réalisme a encore une fois fait la différence.